Sentinelle 5. Nous sommes à bord. Prêt, mais reste à disposition en cas de besoin. Confirmé. Merci de nous avoir déposés. Bonne chance, Sentinelle 5, terminé. C'est ça que vous appelez facile, monsieur? Nous sommes en position. À ton signal. Entendu. Ygraine, Lafayette! La situation est quelque peu dangereuse, mes amis. On abandonne déjà, Marquis. En position. Je vous suis. Allez. Isabeau et moi partons en reconnaissance. Il faut une présence sur le terrain parmi les invités. Alors que je n'ai rien à me mettre. Quelques emplettes sont nécessaires. Règle d'engagement, monsieur? Faites ce qu'il faut. Nous n'aurons pas le temps de différencier les conspirateurs rebelles des gardes de la compagnie. Nous avons déjà travaillé sans filet. Très juste. Mais n'oublions pas, il faut saisir le vaisseau de la United India Company. Des questions? Alors en avant. Sébastien, j'aimerais savoir... qui est le vieil homme que tu as vu à Mayfair et à Whitechapel? Le vieil homme? C'est une longue histoire. Une histoire que je te raconterai le moment venu. Je dois moi-même éclaircir certains points. J'espère que tu as un plan. Le Conseil se lasse de ton mépris de l'autorité. L'ordre n'est plus ce qu'il a été, Grayson. Oui, tu me l'as déjà dit. Patience, mon cher. C'est le maître mot. N'oubliez pas, aucun bruit. Marquis. Mademoiselle n'a absolument rien à craindre. Je serai aussi discret qu'une tombe. Il ne semble pas y avoir de garde. Dépêchons. Attendez mon signal. Avec moi. Vite. Sécurisez le cockpit et attendez des instructions. Par ici, monsieur. Préférerais être coincé sur un. Pareil. À mon avis, on est des Anglais. Pour voyager dans des machines volantes. Personne ne demande bien. Ton avis. Les gardes n'ont pas remarqué que nous étions entrés. En retard. Il faut mieux qu'il aille. On dirait une fermeture magnétique. Cherchons l'unité de contrôle. J'appelle ça la mort assurée. Hein? Mais qu'est-ce que... C'est pour un mécanicien, pas un garde. Pourquoi je m'embête ?
Meilleur vaisseau. Oui. Voilà. Galahad, Lafayette. On vient d'affronter la résistance des gardes de la compagnie. Ils tirent pour tuer. Ripostez si nécessaire. Compris. Mesdames et messieurs, je tiens à vous souhaiter la bienvenue à bord de l'Agamemnon au nom de la United India Company et de toute son équipe. Après notre départ de Londres, nous ferons une courte escale à Portsmouth. Nous poursuivrons notre voyage à travers l'océan Atlantique jusqu'à notre destination finale à Lakehurst dans l'état du New Jersey. La durée de notre vol est estimée à 3 jours et 6 heures. Service de sécurité, répondez. Envoyez quelqu'un vérifier que la cargaison est sécurisée. Je vous suis, monsieur. J'en vois trois dans le cockpit. Le garde pourrait nous donner du fil à retordre. Il suffira d'improviser. S'installe, les gars. Prochain amarrage à Portsmouth. Et dans quelques jours, on devrait rejoindre les Amériques. Grenade fumigène. Au signal. Trois, je sais lorsqu'on est en vol, même quand je suis dans la soute. Mais là, tous ces nuages. Prenons ce dirigeable, au nom de la liberté. Perceval, cockpit sécurisé. Lafayette restera à la barre. Quel est ton statut ? Lord Hastings est à proximité de la grande salle au-delà de ta position. Nous essayons de le repérer. Viens rapidement. Bien reçu. Je t'appelle quand j'ai fini la reconnaissance. N'oublie pas, on garde toujours la main sur la barre. Je m'en occupe, monsieur. Jamais la porte du poste de communication.
compagnie a posté des snipers à Blackwall. Qu'on est parti il y a à peine 2 heures. Les autres sont en position. Ouais, ce cher Nordastin devrait s'apercevoir de rien. Perceval, nous avons un problème. Lucan est à bord. Mon frère ? Qu'est-ce que le commandant fait ici ? Tout semble se dérouler sans encombre. Oui, messire Lucan, sans encombre. Nous serons à Portsmouth dans quelques heures. C'est cela. Puis en route pour les Amériques. Bon sang. Il devait suivre les lords jusqu'à ce que le dirigeable soit aux frontières. Doit-on l'informer de la situation ? Et alerter un agent rebelle ? Talad a raison. Alastair n'appréciera pas d'être mis à l'écart. On s'en souciera plus tard. Son aide sera précieuse si la situation devient critique. Suivons le plan prévu. Entendu. Je vous préviens quand j'ai un meilleur point de vue.
utilise ton arme qu'une fois la cible confirmée. Tire en attente. Les rebelles portent des uniformes volés de la compagnie et ressembleront à des gardes. Des gardes sont les insignes adéquats. Les uniformes de Whitechapel n'avaient pas d'insigne d'épaule. En effet, tiens-moi informé. Tourne-toi, que je puisse voir. Pas d'insigne. Perceval, on a un rebelle au niveau zéro. Compris. Continue de chercher. Insigne confirmé. Le garde le plus proche d'Hastings est OK. Un insigne. Perceval, le garde en haut des escaliers n'est pas un usurpateur. Bien. Cherche encore. Je n'arrive pas à voir la bonne épaule. Bon sang. Pas d'insigne. Il y a un rebelle sur le balcon de l'autre côté. Bien sûr. Passe-les tous en vue. C'était le dernier. Bien. Élimine toutes les menaces. Bien compris. Arme chargée. Bonne chasse. Un de moins. Il n'y en a plus qu'un. Galahad, as-tu éliminé les rebelles? Lucan! Des rebelles! Faites sortir Hastings! Faites-le sortir! Hastings est enfui, besoin de renfort! Attention, passe au plan B! Perceval, cible à terre! Rebelles en approche, j'ai besoin de renfort! Entendu, on te rejoint tout de suite! Hey!
De la compagnie sont passés en alerte maximale. Les amateurs ont tiré sur tous les juges. Qu'est-ce que c'était ça? Une bombe vient d'exploser près du moteur avant. Écoutez, on se replie. Oui, madame. Toi. Écoutez, un chef rebelle est à bord. C'est la femme de Whitechapel. Je la poursuis. Ne la laisse surtout pas s'échapper. Nous faisons face à
Callahan, reste sur la cible. Perceval, j'ai pu capturer l'un des rebelles. Parfait. Attachez-le bien. Je serai bientôt là. Dégâts importants à tribord. Équipe d'intervention d'urgence à B12 et B13. Perceval, j'ai perdu la cible. Je continue mes recherches. Négatif. Rends-toi aux embarcations. Il y a plus grave. Les rebelles disposent d'un second dispositif. Bon sang. Très bien. J'arrive tout de suite. C'est ça ton idée du raisonnable, hein ? Nous n'aurions pas pu anticiper de telles circonstances. Ta mission à Whitechapel était de rester caché. Les derniers rapports font état de nombreux morts, mais aussi de la destruction de l'hôpital royal. Et maintenant ça ? Je compte bien tenir ma parole. J'assumerai seul la responsabilité de toutes les conséquences éventuelles. Sébastien, tu auras compris que je ne peux pas faire grand-chose pour te protéger de la colère du grand chancelier, ou même de l'ordre. Ton père entendra raison. L'urgence, c'est de trouver ce second dispositif avant qu'il n'explose. Chevalier, je vous prie, nous devons quitter ce dirigeable avant que ça se dégrade. Messire Lucan vous escortera et supervisera l'évacuation. Nous devons continuer les recherches. La situation nécessite l'intervention de tous. Il est impensable que vous restiez à bord. Nous nous rejoindrons dès que possible. Izzy, occupe-toi d'eux, puis rends-toi au cockpit. Non, je viens avec toi. Izzy, tu dois trouver Lafayette et partir d'ici. J'ai... Ton frère m'a chargé de te ramener saine et sauve. Fais-le. Pour moi. Il faut des armes. Il y a un poste de garde pas loin. Nous utiliserons les armes de la compagnie.